Coucou les gamers! Donc, nouvelle zone. Ok, non, tu l'as déjà fait, merci. Tu sniffes quoi là? Ouais, moi aussi, je fais mes muses avec le puits. Je me dis que si le chien renifle, il y a une raison. Là, en fait, ça sert à rien. Parce que quoi que je fasse, il renifle encore. Donc, en avant, vers le chapeau. Vers le chapeau. Ok, pas de soucis. Que c'est efficace ou pas? Magnifique, magnifiquement magnifique. Je vais juste regarder un truc. Où est ça? C'est comme j'ai débranché mon casque pendant 2 minutes, le son était devenu méga fort. Ok, hop. Ah, il y a. Dégage. C'est bien, Kisho, tuez tous! Brûlez jusqu'au dernier! Et si on le fait en sort de zone, ça donne quoi? Ah ouais, tout de suite, c'est. Comment dire, c'est nul! Du coup, il m'en faut 3 déjà! Tac! Vas-y, à qui? Allez, on rentre dans le château. Alors là, il n'y a rien. Bonjour. Bienvenue à Ivory, c'est la plus belle contrée de Perpetua. Ok, bonjour. Mes épices sont idéales. J'en veux pas. Bonjour. J'en veux pas de tes perles non plus. Non, merci. Bonjour. On va dire ok, je te prends ton spectacle. Le marché nanana. Ok, donc c'est un peu comme Antique apparemment. Ah, tu as déjà parlé toi. J'ai cru entendre mon chien arriver, c'est pour ça que je me suis retourné. Ah, ok donc. Et bim, 8000 ducats. Putain, j'avais blindé en gemme. Pas de soucis, merci. Donc maintenant, je possède l'os divin. Pas de soucis, merci. Et toi, qu'est-ce que tu me proposes? Non, merci. J'en ai rien à foutre ton parfum. Et toi, bonjour. La reine a fait construire Ivory et nous avons quitté Ebony. La plupart ont suivi car elle avait promis confort et bonheur pour tous. Les autres ne sont là que pour la nourriture et la boisson gratuite. La nourriture et boisson gratuite. C'est quoi ce vieux cliché? Allez-vous à la course au cochon? C'est l'événement de la journée. Le propriétaire du cochon gagnant sera invité au banquet de la reine. Ah, trop la classe. Une course au cochon, il faut que j'y aille. Bonjour. L'échiquier géant était très intrigant. Les pions se déplaçaient tout seuls, mais ils se sont soudainement arrêtés. Ok. Bon, vous inquiétez pas les mecs, je vous pille, c'est normal. C'est mon boulot. Avant, nous vivions à Ebony. Nous avons déménagé quand la reine a créé Ivory. Il paraît que des gens vivent toujours là-bas, et cela indispose la reine. Donc la reine est indisposée. Qu'est-ce qu'on a par là? Bonjour. Il va y avoir une course aux cochons du côté ouest de la ville. J'adore les cochons, surtout s'ils courent vite. Je sais pas c'est quoi leur délire avec les cochons, mais moi personnellement je l'ai pas. Ma mère est déjà rentrée dans le nouveau château, elle dit qu'il est immense et tout propre.
Soyez le bienvenu à Ivory, nous sommes des guélurons. La reine adore la bonne humeur, bien sûr. Vous n'êtes pas d'Ivory, vous, ça se voit à vos vêtements. N'hésitez pas à vous servir dans nos coffres, vous en aurez besoin. Bonjour, je te connais pas, tu veux rentrer chez moi? Allez, vas-y, pille ma maison, je te l'autorise. Un peu d'alcool, un peu d'os. Les os, c'est bien, ça va me permettre de lancer des sorts pour ressusciter mon chien s'il meurt. Du coup, Akisho, t'inquiète pas, t'es morte quasiment. La reine est gentille ces derniers temps, mais elle a un comportement bizarre, et le roi, il n'a plus toute sa tête. La royauté m'étonnera toujours. Ok, tu peux passer par là. Tiens. Le ravin est rempli de monstres, équipez-vous avant d'y aller. Si tu le dis. Vous aimez notre ville? On s'y divertit énormément. C'est ce que veut la reine. C'est ce que veut notre reine. Bon, c'est pareil. Bonjour. Eh, viens, viens. On parle d'un vieil homme étrange vivant dans la partie nord du ravin. Il construit une tour devant atteindre les cieux. C'est le mec qui fait la tour de Babylone, c'est ça? C'est franchement... Pour l'instant, c'est sympa, on les pille, ils sont contents, ils nous disent allez-y, continue. Personne ne traverse plus l'échiquier, mais il y aurait une porte donnant sur le fond du ravin. La reine a toujours été gentille, elle est encore, mais d'une manière malsaine. Toi, tu connais le mot malsain avec ton âge? Putain, ils ont une bonne éducation à Ivory. La course cochon va commencer, c'est une tradition dans cette ville. Avez-vous vu le freak show qui est donné à l'ouest de la ville? Je suis sûr qu'il va y avoir une mention spéciale au festival annuel des horreurs. Festival annuel des horreurs, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Bonjour. Mon père m'a emmené voir le show à l'ouest de la ville. Quelle frousse, mais quelle rigolade aussi. Ah, espèce de feinteur à qui, quoi? Arrête de sniffer, y'a rien ici. Bon, ça prend du temps parce qu'on fouille toute la ville. Ok, étage suivant. Ah, il y en a encore. Bonsoir étranger, il me reste de la place pour la nuit. Oh putain, 40 ducats. J'hallucine, 40 ducats la nuit. Mais c'est un taré le mec. Je vends ce qui se fait de mieux et mes prix défient toute concurrence. Que désirez-vous acheter? Ce que tu vends? Putain, ça coûte cher ce que tu vends. Allez, on va le faire. Normalement, ça fait longtemps que j'ai pas changé d'armure. 12... 40, ah ouais quand même. 39, ah voilà, je vais exploser mes stats d'armure là. 37. Ah ça y est, je peux enfin équiper le chien. Voilà. Tiens Aki, tu passes de 0 à 86 d'armure. Je sais, j'ai longtemps attendu. Mais du coup, je vais tout te vendre après. Non, pas acheter. Ouais. Vendre. Je vais te vendre tout ce qui m'est pas équipé. Voilà, hop. Comme ça on se refait un peu liquide. Nickel, on se casse. Ben voilà, je viens de claquer mon RSA. Toi je t'avais raté, bonjour. Approvisionnez-vous avant de quitter la ville, les dragons infestent le ravin. Ah, vous êtes sur une piste le chien. Aki? Aki? Bon, Aki est en train de traverser la ville. Il y a peu de temps que nous avons quitté Ebony pour venir vivre ici. Avec sa phobie de la saleté, chercher un lieu aseptisé. Tu te fous de ma gueule là, Kisho, merde. Le mec est parti à droite et juste après il est parti à gauche.
Je vais à la course, elle se passe à l'ouest de la ville. J'adore les cochons. À mon avis, il me dit ça pour que j'y aille. T'as rien à ramasser, quoi. De l'eau et du vinaigre. La reine fait tout pour qu'on soit heureux, mais cela semble n'être qu'un artifice. Elle est chelou votre reine en fait, parce que tout le monde dit du mal d'elle, quoi. Du pétale. Ah, tiens, ça fait longtemps que j'avais plus de pétale. Ok, donc toi, je t'ai déjà parlé. Bonjour. La reine dit que des monstres ont envahi l'ancienne ville, mais elle va en prendre soin. Ah, je peux passer par là. Non. Ah, secret. Sans du cas, trouver une amulette et des glands. Bon, comme d'hab, je vais à l'étage. Je vais parler à la petite fille de l'étage. Ah, non, il y a personne cette fois-ci. Oh non. Ah, j'ai acheté une armure pour rien. Ah, j'ai claqué de la thune pour rien. Je me suis fait escroquer. Lancelot, mon frère aîné, est déjà allé dans la forêt au fond du ravin. Il dit que c'est tout noir. Quand je serai grand, j'irai aussi. Si tu veux. Ok. Mon mari Lancelot parcourt le royaume à la recherche de trésors inestimables. Il les dissimule aux yeux de tous, car il ne veut pas qu'on y touche. Ses coffres sont rangés en haut. Ah, donc c'est pour ça qu'il y avait une armure. Merci Lancelot, t'aurais pu me prévenir quoi, escroc quoi. J'ai claqué 600 ducats pour rien, au minimum 400. Bonjour. Eh, bonjour. Avez-vous vu notre échiquier géant? Il s'étend sur le plateau du ravin entre Ebony et le nouveau château d'Ivory. Ok. Ah, si. Oh là là, mais quel beau gosse. Je vous trouve les secrets à une vitesse en ce moment. J'ai blindé en amulette d'annulation. J'espère qu'elles vont servir. Avez-vous vu l'échiquier séparant les deux châteaux? Les pions s'y déplaceraient tout seuls. Pour aller à Ebony, il nous a fallu traverser l'échiquier. J'ai pu m'en sortir, mais pas mes frères. Ah, je suis désolé pour ta petite. Si tu as perdu ta famille. Êtes-vous allé dans le ravin sous l'échiquier? C'est rempli de dragons. J'irai quand je serai plus grand. Pas de soucis, tu iras te faire bouffer. Putain, elle est big la ville quoi, je suis en train de faire le tour du monde de la ville là. Bonjour. Nous sommes les plus nantis de la ville. C'est notre nouvelle demeure. On n'a pas pris la plus moche hein. N'hésitez pas à prendre le contenu des coffres si cela peut vous aider dans votre quête. Mais t'inquiète pas, évidemment que de piller. Il paraît que le roi regarde un spectacle de guignol toute la journée. Voilà pourquoi on ne le voit plus. Waouh. Mon mari fait un complexe. Il n'est pas vraiment le roi, il est plombier. Cela fait des lustres que notre roi n'a pas fait de réapparition en public. Salut le plombier. Longue vie au roi, c'est-à-dire à moi. Faites la révérence. Ok. Même dans la ville, il y a des psychopathes de partout déjà. Alors, est-ce qu'il y a encore... Toi, je t'ai parlé ou pas? Un groupe de créatures mystérieuses vit sous la surface. On les nomme les Globelins. Mon frère en a vu un. Il faisait 2 mètres. Il avait des yeux rouges et des longs ongles. Ah, un peu comme Freddy en fait. Il n'y a pas de voie de secret ici. Ok, et qu'est-ce qu'il y a en haut? Ah! Est-ce que je devrais atteindre le bout de la ville? Bonjour. Vous ne pouvez pas entrer, seule la reine et les notables sont autorisés. Alors circulez, en avoir. Enculé! Je vais rentrer! Bon, bah, du coup, on retourne à l'entrée de la ville.
Ça fait mal aux doigts. J'ai quand même bien dépouillé la ville, merci. Franchement, c'est gentil, hein. J'imagine pas. S'ils reçoivent au moins 5 étrangers par jour... Ah merde, elle a piqué tous mes coffres, on n'a plus à bouffer, on n'a plus rien, chérie, on fait quoi? Les gens, c'est trop aimable. Ils donnent tout ce qu'ils ont, quoi. Elle est belle, j'ai pas vu qu'elle va s'attuer, mais franchement, elle est belle. Il y a une belle gargouille, quoi. D'ailleurs, il me semble que c'est pas les mêmes statues qu'il y avait par rapport à, au début du jeu, dans la scène d'introduction. Au manoir, il y a les mêmes statues, il me semble. À vérifier, mais il me semble que c'est les mêmes. Allez, 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 trace, 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 trace. Ok, bon, c'est bon, on y est. Donc là, on est au village. Vous, je vous ai déjà parlé. Allons voir ce qu'il y a à gauche. Tiens, bonjour. La reine sera présente à la course au cochon. Le propriétaire du cochon sera invité au banquet, quelque machin chose. J'en ai marre de te lire. Je ne savais pas qu'un tel spectacle pouvait exister au nord de la ville. J'ai trouvé les occasions les plus intéressantes dans l'allée. Bien, bonjour, qu'est-ce que tu veux? Je suis amurier. Un casque. J'ai un très beau casque. Oui. Attendez. Là. Je viens d'acheter un casque. Est-ce que j'ai claqué tout mon argent pour rien? Ah, pas mal ton casque. Ah, j'avoue, il était énorme. Depuis qu'elle vit ici, la reine a un comportement très bizarre. Ok. La course au cochon va bientôt démarrer. Avez-vous vu le spectacle? C'est avant-gardiste. Ok. J'en ai marre, Terbotex vous dit des trucs qui servent à rien, quoi. Merde. Soyez un peu imaginatif, sortez des blagues au moins, ça me fasse rire. Ok, la flemme, notre lire. Bien sûr, on s'en fout des gobelins. Bien sûr. Ah, t'as, qu'est-ce que tu vends? J'achète et revends le fourreau, ne coûte que 300 ducats. Bien sûr que je le veux. C'est trop cher. Bien sûr, mec, ils vont vendre des épices. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de tes épices? Ok, là c'est le marchand d'armure. Tac, qu'est-ce que tu vends? Bah ok, je te le prends. Merci. Bon, attends, j'ai la flemme de vous parler, je vous parle plus maintenant. Hein. Faut m'aller vous faire foutre, hein. J'en ai marre, ils vont me parler de la cour des cochons. Entrez, venez admirer le freak show, entrez, venez voir les plus inconcevables déviations humaines, expérimentez l'horreur, la terreur et le malheur absurde. Croyez l'incroyable, par ici, entrez, entrez. Putain, le mec, franchement, il est vendeur, hein. Y a rien là. Bonjour. Ok. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Quoi, mais tu m'as pas vu. Et le gosse, vous avez du potentiel, vous savez quoi? On vous colle une barbe et on vous appelle le bambin barbu. Qu'en dites-vous? D'accord. C'est bon, j'ai signé un contrat. Maintenant, on va m'appeler le bambin barbu. Mon avenir est assuré. Mais non! Tu m'as déjà dit ton spectacle, je m'en fous! Ok, on dégage, j'ai encore ça à fouiller. Bonjour, je suis Huguette, la femme sans barbe. C'est ma coupure. Alors j'aimerais bien qu'on me laisse tranquille. La femme sans barbe. Ils sont sérieux, ils ont créé quelqu'un qui s'appelle la femme sans barbe. Alors qu'est-ce que j'en suis où? Ah ok, donc c'est bon. J'ai mon ticket d'entrée pour le spectacle. Donc je vais rapidement aller acheter les armures que j'ai pas encore achetées.
Du coup, je vais claquer encore mon RSA. Voilà, bonjour. Une cuirasse. Non, j'ai déjà l'orifia, il me semble. Des gants. Oui, l'orifère, je l'ai déjà. Bim. Rien. Ok, j'en ai fini, toi. Bien, allons voir le spectacle. 20 minutes de vidéo, déjà. Ouf. Ben, je trouve que c'est bien, justement. On va couper juste avant le spectacle. Ça tombe bien, c'est beau. C'est magnifique, c'est bien. Hop, donc on arrive. Et on se retape l'intro! Ouais! Venez admirer le spectacle! Ça fait 3 fois que je fais la pub! Je suis un vendeur de psychopathes! Merci, allez, vas-y, abrège! Merci! Donc, merci de m'avoir suivi dans cet épisode, et on se retrouve dans l'épisode suivant pour le spectacle des horreurs! Ciao tout le monde!